Salut. Bon, aujourd'hui le professeur AFT, il va vous expliquer à calmer votre colère avec la technique. Alors sachez que la colère, si elle n'est pas exprimée, qu'elle reste à l'intérieur de vous, elle va vous pourrir votre corps, votre système immunitaire. D'où l'importance d'évacuer toutes les colères que vous pouvez avoir eues dans votre vie. Pour cela, quand vous faites un tapping, il y a plusieurs écoles. Soit vous avez l'école qui dit, même si j'ai toutes ces colères en moi, toutes les colères que j'ai pu avoir depuis ma jeunesse, ouh là là, j'ai de la colère, ouh là là, toutes ces colères en moi, ouh là là, je suis très en colère, hein? Très 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 en colère, ouh là là, très en colère, d'accord? Bon, et puis vous avez la méthode qui fonctionne, vous voyez, hein? Même si je suis purée, je ouais, je suis en colère. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Évidemment, je suis en colère. Moi, je te mettrais tout ça. Je te le coulerai dans le béton. Je lui arracherai la tête. Tu comprends? Voilà. Vous avez deux sortes de techniques pour faire de l'EFT. Soit vous jouez à celui qui est tout doux avec ses colères et qui parle tout doucement, ou soit vous exprimez votre colère, vous la faites ressortir. Vous pouvez crier, vous pouvez hurler, quoi. Puis là, ça vous fait du bien. Puis là, ça vous calme. Et là, après, vous êtes zen. Vous êtes zen. Et puis vous aimez la vie. Puis vous ne demandez que douceur. Vous ne demandez que joie, amour, paix. Je t'aime, mon frère. Allez, pour d'autres conseils, on se retrouve sur la chaîne EFT Land.